Bertrand Tavernier, qui reste dans la mémoire collective. C'est un réalisateur, historien, écrivain. Vous le connaissez tous, il a enfilé pas mal de casquettes et je pense qu'on peut dire qu'il a inspiré toute une génération de cinéphiles. Il est intervenant sur des DVD, c'est l'architecte du Festival des Lumières et de la collection Western chez Actes Sud pour les livres. Bertrand Tavernier, c'est quelqu'un d'important pour tous les cinéphiles, pour les cinéphiles français, mais pour les cinéphiles du monde entier. Je sais que son travail en tant que réalisateur, ça en a fait un des meilleurs réalisateurs français de ces 30-40 dernières années. Et en plus, il a fait aimer le cinéma à beaucoup de gens. Moi, le premier, même si j'étais intéressé au cinéma avant de l'écouter, ça a renforcé beaucoup de choses. Donc, voilà, c'est avec beaucoup de regrets, même de la peine, que j'ai appris son décès. Sans oublier qu'il a, comme tu l'as dit, Vincent, il avait parrainé une très belle collection de romans westerns, de très grands romans westerns, dont il écrivait de passionnantes préfaces. Moi, je les ai tous lus, les romans et les préfaces, et c'est vraiment très important pour ceux qui aiment le western. Je ne parle pas de Bertrand Tavernier comme homme de cinéma et comme historien du cinéma, c'est encore très, très important ce qu'il a fait, mais pour les amateurs de western, tout ce qu'il nous a appris sur le western et d'avoir lancé et pérennisé cette collection qui, j'espère sincèrement, lui survivra, cette collection de romans, eh bien pour ça, je crois que nous lui serons toujours très, très redevables. Marc, juste une précision, est-ce qu'il y a un roman que tu souhaiterais conseiller à nos auditeurs dans la collection? Moi, j'aime beaucoup les romans de Ernest Haycox, parce qu'il y a des personnages de féminins qui sont très, très, très intéressants, très, très bien. Le premier qu'il a édité, c'était « Des clairons dans l'après-midi ». Le roman est bien, bien meilleur que le film. C'est un film avec Rémy Land. Biocops in the Afternoon. Le roman est incroyablement beau, avec un personnage de femme magnifique, un héros très intéressant, et c'est dommage, ça n'a pas donné quelque chose de formidable au cinéma. Et il y a un autre roman que j'aime beaucoup, alors là qui a donné un très très grand film, c'est The Oxbow Incident, l'étrange incident, l'histoire du lynchage. Et je pense que, j'ai lu beaucoup de romans américains dans ma vie, et je pense que c'est un des plus importants, et on n'en disposait pas en France, dans une bonne traduction, dans une belle édition, et là aussi ça a été un travail formidable. Donc voilà, rien que ces deux-là, qui sont d'ailleurs parmi les premiers, mais bon, il a sorti la trilogie de La Captive aux yeux clairs, qui est très très intéressant aussi, et son le dernier, c'est Les Pionniers, qui est un très bon livre aussi. Donc voilà, tout est à lire, hein. Mais bon, je pars de ces deux-là parce que c'est ceux qu'il a mis un petit peu au début de la collection et qui sont magnifiques à lire. C'est un très grand moment. Et évidemment, L'étrange incident, on revoit le film en lisant le roman. Mais c'est encore plus intéressant. C'est encore même un peu plus âpre, un peu plus dur que le film. Et voilà, c'est une belle collection. Bon, moi, Tavernier, c'est surtout 50 ans de cinéma américain. Et pour moi, c'est un livre, c'est un peu comme la Bible. Hein. J'adore, avec Courcedron, il a créé ce bouquin qui est formidable. Question film de lui que j'aime beaucoup, c'est surtout Coup de torchon. Coup de torchon parce que Philippe Noiret a un rôle un peu à la John Wayne, hein, et j'adore. Quoi. C'est vraiment, et puis Bertrand Tavernier, comme le dit Marc, c'est les préfaces des westerns, puis les critiques, toutes les critiques de films que j'adore. C'est quelqu'un qui adore, qui aime le cinéma, et c'est un homme merveilleux. Voilà, en gros, pour moi, ce que représentait Bertrand Tavernier.